Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette fois-ci, on se retrouve sur Jurassic World Evolution et j'espère que vous entendez ma voix avec cette superbe musique qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Hein. Je sais pas trop, ça doit faire peut-être une vingtaine d'années, mais j'adore cette musique. Voilà, donc j'ai lancé une petite partie Viteuf pour tester le jeu un peu, hein, pour éviter de vous dire des conneries parce que j'avais enregistré, mais bon, j'ai dit beaucoup de conneries. Donc voilà, on commence. On va recommencer une nouvelle partie, on s'en bat les reins. Parce que voilà, tout simplement, on est là pour s'éclater, Bonjour pour et s'amuser. bienvenue. Je suis le Alors, docteur on va Ian s'amuser. Malcolm. Vous Alors là, je avez vous laisse peut-être lire un entendu peu, parce parler que de bon, moi, ça blablate, ou hein. plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi, surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez Alors, gérer, là, si vous voulez. ce qui est Les cinq morts. important de noter, c'est qu'on parle Où docteur sont-ils Malcolm. seulement? Si Pour seulement les il n'y en avait que connaisseurs, cinq. hein, c'est celui de la théorie du chaos dans le 1, avec sa goutte d'eau. Bon, Isla Matanceros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable, l'idéal pour se faire la main Alors, je avant sais de pas si vous plonger entendez dans bien, mais l'univers impitoyable de ces créatures ça. préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Donc voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est Jurassic World Evolution? C'est un jeu de gestion. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de gestion? Vous allez me dire. C'est tout simplement un jeu de création de parc. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques Public. et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Alors j'ai commencé à 3 Vous allez millions 2, j'ai déjà commencer perdu par 10 000. construire un labo de la création Hammond. Tac, hop, là on va construire le labo. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante. Tac. Donc là, on construit le labo, voilà. Ça se fait comme ça, hein, tranquillos. On va essayer Là, de on faire va une se vidéo concentrer sur votre mission, à savoir rapide, mais pas créer bâclée des quand même, quoi. installations pour dinosaures sur les îles des cinq morts, ou plutôt Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Donc voilà, là, on attend, ça se construit tranquille. Alors, évidemment, il faut Évidemment, relier. il faudra le relier au réseau Voilà, d'allées donc là on existants relie et bien sûr, on l'alimenter en choisit notre truc, électricité. on fait une ligne droite, on s'en fout, on va se faire chier. Voilà. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un Voilà, on dinosaure. va On incuber va le dino. commencer Donc par un le premier dino qu'on Strutionius. nous demande d'incuber. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement Ils peuvent pas d'œuf. lui faire fermer sa Les gueule, lui. données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Bon, tu la fermes? Merci. Donc voilà, on va créer le premier dinosaure, le Strutionius. Une sorte de Gallimimus un peu leader price. Donc voilà. Alors tout à l'heure j'ai fait ça, et comme un con, j'ai juste créé ça après. Et ça, bah, ça a totalement bouffé en fait. Donc on va éviter. On va suivre un peu les premières missions. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Ouais. Mais à part ça, tout va Tu m'en bien. diras pas. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois, sans compter tout l'argent qu'on a C'est grand quand investi. même, je sais pas Oui, avec. précisément, monsieur Finch, Oh, la excusez-moi dernière les amis. fois. Il y a toujours une dernière fois, Je sais pas à quel point vous et aussi entendez une ma voix ou prochaine. pas, mais on va faire le petit tuto et on va essayer d'avancer un petit peu. Donc là, on attend tout simplement que. Voilà, on attendait ça. Donc, on a notre petite vidéo, quand même stylée. Alors, je trouve que les dinos sont bien faits. La vie, la voilà qui commence. Alors, je vais mettre un peu Quel d'écho. grand Mais moment. je trouve pas Le que c'est pas résultat dégueu, hein. d'innombrables Je trouve pas actions dégueu. et Au niveau de la peau, réactions, on voit, c'est cool. essais, Au erreurs, niveau ombrage et tout, mutations on voit aussi, génétiques et donc c'est plutôt mystérieuses sympa. Bon, après, là, on combinaisons. est sur PS4 Pro. Un chaos Donc, bon, ça absolu aide un peu. ayant mené à la création d'un être vivant et Alors, intelligent. attendez, j'attends Une juste qu'il la ferme, entité l'autre. unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Putain, merde, il dégage. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Voilà. Donc là, on a le dino, donc. Voilà, ils connaissent le déjà, etc. Quand on fait carré, on a ses stats. Donc, c'est plutôt sympa hein, de voir les stats, etc. Population. Alors, il y en aura, ils sont plus importants que d'autres, hein, bien sûr. Bon, nourriture, déjà, il va falloir faire gaffe, il va falloir surveiller. Parce que oui, c'est des dinosaures herbivores, mais ils ne bouffent pas les herbes à côté, hein, sinon ce serait trop facile. Donc, voilà. On a le profil, si on veut faire un petit. Voilà. Petit truc. Condition de confort, voilà. On a une condition de confort. Donc, c'est très important parce que. On va pas pouvoir foutre notre dinosaure dans 10 mètres carrés, quoi.
c'est pas votre, vous allez pas louer un studio à Paris en disant voilà, je vais foutre un narcotucus dedans. Ben, donc voilà, on a ça, donc la note du mot, tout ça, etc. La pose standard, parce que oui, très important, hein, bien sûr, Jurassic World. Donc il y a l'apparition de la création des mutations génétiques. Et qui dit mutation génétique, ben, dit forcément Indominus Rex. Qu'on verra peut-être plus tard. Si ça vous intéresse, on continuera notre parc ensemble, hein, ça peut être super cool, je trouve. La fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Et, attendez, je peux pas leur faire, hein, pas fermer leur bouche, mais au moins éviter qu'ils parlent trop fort, parce que sinon j'ai peur que j'ai peur vraiment qu'on n'entende rien, quoi. Donc, tac, tac, on va mettre là, hein. Tac, et tac. Voilà, donc c'est marqué en haut, hein, je vous laisse lire si vous voulez lire. Ça, il n'y a aucun souci. Moi, c'est juste que, bon, je l'ai déjà fait, donc voilà. Un petit conseil, accepter un contrat. Donc voilà, ça va marcher comme ça. On va avoir, on va devoir faire des contrats. Voilà, nickel. Quand j'en parle, ça apparaît. C'est génial. Je vous parle de Clara Morgan. Putain, elle apparaît pas. Bref, c'était un peu nul, mais jeune petit sensei, hein, pense à mettre le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on a les contrats de science, les contrats de divertissement et les contrats de sécurité. Donc évidemment, la science va nous servir à trouver des nouveaux génomes, des nouvelles maladies pour les lutter, etc. Donc c'est très important. Le divertissement, ça va être pour les visiteurs, surtout. Donc très important, les visiteurs, parce que bah, si on n'a pas de visiteurs, on n'a pas de pognon. Si on n'a pas de pognon, et ben on fait comme moi la partie d'avant, on recommence une partie. Parce que voilà, j'avais plus rien. Et le contrat de sécurité au cas où un dinosaure s'échappe. Oui, parce qu'évidemment, ça peut arriver. Donc, construisez un centre des expéditions, alimentez-le en électricité et reliez-le au réseau d'Allé. Donc, on va faire ça. Alors, juste avant, je l'ai mis là. Mais on, bah, je pense qu'on va le remettre là, d'ailleurs. Donc, on y va. Opération, opération, on voit qu'il y a pas mal de trucs. Hein. Mais nous, on va faire, on va prendre le premier. Du coup, c'est pour ça, je pense que ça peut être très sympa de faire ça avec vous. Tout simplement parce que je pense qu'il y a vraiment un bon petit let's play, je pense, à se faire avec ça. Donc pourquoi pas, hein, moi je pense, si vous êtes chaud, moi ça me hype, ben, on va pas se mentir. On va remettre ça là, je l'avais mis là tout à l'heure, donc alors c'est un peu chiant, vous inquiétez pas pour les arbres, regardez, magique, ça disparaît. Donc ça c'est super cool. Alors là, voilà, ça crée, là faut attendre un peu, blabla. Alors si vous voulez lire en haut, hein, bien sûr, lisez. C'est juste que bon, moi je trouve pas ça hyper intéressant. On fout, enfin, c'est pas que je trouve pas ça intéressant, comme j'ai dit, je l'ai déjà fait tout à l'heure en fait. On fout une allée, clac, on relie à l'allée, nickel. Voilà, et ici, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, on avait déjà le réseau électrique en fait. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ici, c'est que ça marche comme ça le réseau électrique. Vous voyez le cercle là-bas, ça c'est un réseau électrique. Donc tous les bâtiments en fait qui vont se trouver dedans, ils seront couverts par le réseau. Donc c'est important que vos bâtiments se retrouvent dedans, sinon ils ne fonctionneront pas. Parce que oui, l'électricité dans ce jeu va vous coûter la peau du cul. Bon, après c'est normal. Vous allez me dire, bon, c'est un parc à dinosaures, donc c'est normal. Mais bon, ça va quand même vous coûter hyper cher. Donc voilà, 5 des expéditions pour dépêcher des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de fossiles de dinosaures. Donc c'est très important. Sélectionner un site de fouilles ou mener une expédition. Et repartir sur le terrain. Voilà. Petite parenthèse pour les plus connaisseurs d'entre vous, si vous avez fait Jurassic Park Opération Genesis sur PS2, comme moi, bah voilà, c'est un peu, on va pas dire la suite, mais voilà, quoi, c'est quand même. Donc on va se prendre un triceratops. Bah voilà, c'est pour ça aussi, récompense 1 million, putain, comment ça se fait que j'ai été dans la merde comme ça tout à l'heure? On va se prendre un tricé. Voilà. Donc là, ils vont partir explorer. Alors en attendant, comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu tout. Voilà. C'est pas compliqué. Tout à l'heure, j'en étais ici. Sauf que j'avais plus qu'une. Là, j'ai encore 2 400 000. Tout à l'heure, j'avais vraiment plus rien. J'ai plus rien. Donc c'était vraiment la merde. Donc je me suis dit, voilà, on va recommencer. Au lieu de batailler dès le début, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Sur le côté, on a plusieurs trucs. On a notamment le centre de contrôle. Alors le centre de contrôle, voilà, ça va nous donner pas mal de choses.
Alors, par exemple, des contrats, on peut demander de nouveaux contrats, demande en cours. Bon, voilà, ensemble, nous pouvons créer des spécimens plus authentiques, blabla, etc. Donc, voilà. On a la comptabilité, bien sûr, hein, évidemment, le nerf de la guerre. Ok, on a des missions, parce que oui, il y a la mission principale, hein, qu'il va falloir terminer si on veut déverrouiller les autres îles. Et voilà, tout simplement, hein, on a des missions principales et des petits contrats, on va dire, secondaires. Alors, déplacement sur l'île, oui, parce que j'ai pas dit, mais il y a 5 îles. Et le problème des 5 îles, d'ailleurs, 3, 6, ouais, c'est bien, mais 5 îles. Moi, je sais pas comment ils comptent ça, c'est con. Isla Taco? Ah non, Takano, Takano, putain, Taco. Bon, bref. Isla Nublar. Ah, bah, Isla Nublar, ouais, quand même, ouais. Ah, c'est peut-être qu'ils comptent 5 îles, parce que celle-là, c'est vrai qu'elle est toute petite. Bah, écoutez, choisissez un contrat, on va prendre la sécurité. Si jamais. Alors, crée au moins 3 nouveaux dinosaures avec leur transférer vers l'Europe. Ok, on va créer 3 nouveaux dinosaures, bien sûr. Vous voyez, là c'est important de prendre plusieurs contrats parce que là, la science nous a demandé de créer un triceratops. Donc, si on prend la sécurité en même temps, on peut créer des. Enfin, on peut déjà faire 1 sur 3, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même important. Ici, donc, c'est la carte des expéditions. Hein. Pour l'instant, en France, on n'a que dalle. Sur la France, c'est pas réputé pour avoir des dinosaures. Hein. Ici, du coup, on a les fossiles. Voilà, on peut prélever de l'ADN, donc ça nous coûte des thunes. Mais évidemment, ça nous sert bah, pour faire évoluer. Hein, parce que voilà, il faut quand même ce qu'il faut. Voilà, donc là, ça va vous expliquer. Donc, c'est un peu long, hein, par contre. Génome viable permet de créer des dinosaures dans les créas. Voilà. Donc, en gros, voilà. Parfois, vous allez avoir des pierres qui vont. On va pouvoir prélever de l'ADN. Et parfois, par contre, ça va être uniquement des pierres à vendre. Tout ce qu'on va faire, nous, on nous a demandé un tricé, c'est-à-dire qu'on va prélever un peu de l'ADN de Triceratops. Et vous voyez, là, il y a une petite amélioration. Donc là, il faut qu'on monte à 50%. Donc ça serait cool quand même que ça monte un petit peu. On est à 45. À mon avis, on sera pas. Ah, je sais pas. Ici, on a les recherches. Alors ça, c'est très très sympa aussi, je trouve. Parce que on peut faire vraiment des trucs vraiment sympatoches, surtout dans les recherches génétiques, je trouve. Alors oui, vas-y, j'ai. Voilà. Genre par exemple, ici, voilà. L'épissage de ce gène améliorera les caractéristiques attaque et résistance. Donc voilà, on peut créer des dinos bien, bien badass sa mère. Défense et attaque. Ici, résistance et espérance de vie. Donc ça évite de les refaire trop souvent. Résistance, défense. Ici, là, je ne sais même plus ce que c'est. Dinosaure suivant. Peut-être que. Ah, les plus. Vert écrit. Vert de gris. Ah, c'est l'apparence, donc c'est pareil, ça peut être super cool. 300 000, par contre, faut faire gaffe parce que tout à l'heure, en fait, je jouais à l'américain et c'est comme ça que je me suis fait totalement niquer. Donc voilà. Ici, donc, le traitement des maladies, parce que très important aussi, si nos dinosaures sont malades, eh ben, on va les perdre. Si on les perd, c'est la mort, recommence. Hein. Et ici, voilà. Donc, actuellement, il y a 43 dinosaures. Alors, ces bandes de FDP, hein, il n'y a pas d'autre mot, ont déjà sorti un DLC payant. Avec 5 ou 6 nouveaux dinos, donc bon, voilà. Voilà à peu près. Donc là, évidemment, bon, il y en a quand même que, à mon avis, vous allez reconnaître. Hein, là, je pense qu'on a un iguanodon. Là, ça doit être, c'est le truc. Ici, on a putain, le crasher là, je sais plus comment il s'appelle. Le crasher de Jurassic Park, je sais même plus comment il s'appelle. Ah, je m'en rappelle plus. Après j'ai vu qu'il y avait quoi. Alors ça c'est bizarre. Alors je suis pas sûr, mais c'est peut-être l'Indoraptor. Donc de Jurassic World of Fallen Kingdom. Là on a un Spino. Là ça doit être un Rex. Là on a évidemment un Stego. Enfin voilà, on en a quand même qu'on reconnaît. Donc c'est quand même cool. Et là évidemment c'est un Raptor. Donc c'est super cool je trouve, voilà, franchement. Alors on nous a ramené de nouveaux trucs, voilà. Ça c'est de la qualité excellente. Donc ça coûte plus cher à extraire, mais par contre là. Oh non non non, putain j'ai failli faire de la merde. Putain. Là voilà, ça coûte plus cher, mais là on est sûr et certain d'avoir récupéré de l'ADN. Et voilà. Ici par exemple, aucune trace d'ADN, donc on le vend. C'est juste un fossile d'amphibien pour 120 000, donc c'est toujours ça de gagner, bien sûr. Et ici pareil, on a quand même le truc de Triceratops, donc on va le faire. Savoir qu'on peut faire un dino à partir
uniquement à partir de 50% de genoux. Donc vous voyez par exemple là ici bah, je vais le lancer parce que ici j'ai que 44. Donc qui dit 44 dit que bah, je peux pas le faire encore. Et que très souvent, bah, vous allez voir évidemment que ça va s'arrêter à 49. Donc il va falloir encore. Voilà, bon là je vais tout lancer. Et que si ça s'arrête à 49, et ben on va devoir relancer une expédition, etc. 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 Voilà, nouveau génome viable, donc le triceratops hein, qu'on a déverrouillé, bien sûr. Ici, on a sa petite fiche technique. Enfin, sa petite fiche qui nous met bien. On va pas se mentir. Tac. Hop, donc voilà, bon, je vous ai laissé regarder un peu, mais je suis pas hyper sûr. Bon, après, c'est sympa, il y a vraiment un truc, vraiment un aspect vraiment intéressant. Ici, donc, on a les gènes, enfin, voilà, ça va. Mais après, non, c'est, enfin, le jeu est bien poussé, je pense. Vous allez voir, il y a quelques petits défauts, j'en parlerai un peu après. Là, on a les îles, donc ça, c'est super cool, hein. J'espère que vous faites pas chier, les gars, dans la vidéo, parce que... J'essaie de rendre ça cool, après moi franchement ça j'aime bien, mais ça fait vraiment partie des jeux où il faut y jouer plutôt que de regarder en fait. Parce que si on regarde, on se fait forcément chier. Là on a les personnages, ça j'ai trouvé ça vachement sympa. Alors évidemment, Monsieur ADN, y en a plein d'autres évidemment, bon Georges Lambert bien sûr, et Dr Malcolm, bon, Dr Malcolm un peu vieux, mais voilà. Il est quand même là. On a les maladies qui sont recensées, voilà, donc ça c'est super cool. Le jeu est vraiment assez complet, je trouve. Ça nous donne vraiment un truc sympa. Alors, on va créer le Triceratops, comme ça a été demandé. Clac. Et ici, on va même sortir un deuxième tricé. Pourquoi? Parce que l'autre mission, rappelez-vous, nous demande de sortir trois dinosaures. Donc, il faut faire un placement verrouillé. Je sais pas comment on fait pour les déverrouiller. Oh putain, le premier est carbureux, quoi. Pourtant, c'est les mêmes espèces, mais je sais pas pourquoi lui. Je sais pas. Ok, donc transférer le dinosaure. Transférer des dinosaures. Donc, voilà. Alors, il y a l'autre, mais je sais même pas où il est. Ok, donc voilà, c'est le tricé. Donc, on va revoir une petite vidéo, comme d'hab. Hein. Et qui est quand même bien fait. Bon, vous voyez, les herbes. Bon. Les herbes au pied se bougent, les arbres non. Bon après, on peut pas blâmer non plus de pas tout programmer quoi, en fonction du dinosaure, où est-ce qu'il passe, etc., etc. Mais après, ça reste beau. Après, je répète, on est quand même sur PS4, Pro. Hein. Mais ça reste quand même beau. Voilà. Donc là, on va s'intéresser à quoi? En bonne santé, bien sûr. Hein. C'est quand même primordial la santé parce que ça coûte cher, putain. Donc la nourriture et l'eau, donc la nourriture on va mettre des petits trucs que je vais vous montrer. Le confort évidemment très important parce que sinon si votre dinosaure après il va être malade, etc. blabla. Et on voit très important la population notamment. Donc la forêt, il faut quand même une certaine dose de forêt, de prairie, enfin voilà, ça c'est plein de critères à respecter qui sont assez sympas je trouve. Et la population. Population c'est important parce qu'on voit que s'il est trop tout seul, il va pas se plaire, mais s'il est trop, il va pas se plaire non plus. Voilà, interaction c'est pareil. Donc voilà, ça après bon, ouais, ici on a ça, population idéale entre 1 et 16, groupe social 1 à 6, donc il faudra pas plus de 6 triceratops. Hein. Voilà, donc on va faire sortir le deuxième. Voilà, petit truc, là c'est chiant, c'est que du coup à chaque fois on se retape la vidéo. Donc voilà, la vidéo je veux dire c'est très sympa, mais on dirait. Il devrait y avoir un moyen, on va dire, de faire. Et bah écoutez, on va faire un. Ça coûte combien de faire un tricé? On va en faire un autre. Hein. Alors attendez, parce que du coup, très important, c'est l'envoyer en expédition. Parce qu'il faut toujours quasiment prendre une équipe en expédition. Tout simplement parce que bah, s'ils partent en expédition, bah, après, on est un petit peu bloqué. Donc voilà. Alors construire un mangeoir pour herbivore. Donc très important, on va dans Enclos. Et ici, on a plusieurs choix. Alors, pour petit herbivore, et ici, on a pour grand herbivore. Donc, pour grand herbivore, ça va être surtout les diplodocus, tous les trucs un peu comme ça. Alors, c'est quoi ça? Mener à bien deux expéditions, oui, bien sûr qu'on accepte. Vous voyez, tout ça, c'est des trucs, en fait, ça va se faire tout seul. Donc, ça, faut les accepter, hein, surtout pas les refuser. Ici, on va créer. Alors, je vais les mettre ici, comme ça se rapproche des visiteurs, ça sera plus cool. Hop, voilà. Construisez un mangeoir, du coup, là, on a réussi.
Alors, construisez un poste de garde personnel. Créateur Triceratops s'établit à 70%. Et ayant de recherche du centre Ankylostros. Je sais pas, il est rendu. Donc voilà, là on voit, donc on a déjà nos trois petits dinosaures, hein, c'est super cool. Alors attendez, 2 secondes. Voilà. Donc là on voit, donc il mange, hein, c'est sympatoche. Parce que attendez, c'est quoi lui? La santé. Ah voilà, bah, la santé évidemment, hein, ça, il faut bien qu'il mange. Hein. Mais après, je trouve qu'il bouffe un peu trop. Ils sont à 100%, mais ils bouffent quand même. Hein. C'est impressionnant. J'avais pas un lancer impressionné, moi. Ah, je sais plus. Ah non, j'avais fait une expédition pour le machin. Alors, avons-nous de l'ADN correct? C'est génial, on a que. Ils en sont où, notre petite truc d'expédition là? Ah, mon Dieu, une minute. Ok. Bon. Voilà, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Terminer les exp... Alors, terminer. Transférer les dinosaures. Donc les dinosaures, on va en faire un autre. Par contre, j'aimerais bien faire une nouvelle espèce, si possible. Hein. Puis voilà. Après, genre, on pourra s'arrêter là-dessus. Alors, on va essayer de parler un peu des points faibles de ce jeu. Parce que bon, à première vue, ça a l'air d'être franchement un super jeu de gestion. Et j'ai téléchargé leur prédécesseur, enfin l'ancien jeu qu'ils avaient fait avant celui-là. C'est Planet Coaster sur PC. Et franchement, bah ça se le jouait, quoi. C'est pas le jeu de l'année, parce que bon, évidemment, je pense pas qu'un le jeu de l'année, ça peut être un jeu de gestion, mais franchement, ça se le jouait. Et je pense que Jurassic World Evolution, ça peut vraiment se laisser jouer. Hein, vous voyez, là, on a des visiteurs qui arrivent, bah normal, putain, moi, il y aura un parc à dino, mais et je fonce, quoi. Voilà, là, on a du coup les fossiles. Ah, nickel. Alors, par contre, lui, bon, là, 0%, alors c'est pas. On va mettre 150 000 ans. Et ça se vend. Ok. Donc voilà, très 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 bien. Là, hop, carte d'expédition, on peut les renvoyer directement. Très important de les renvoyer parce que sinon. Alors, voilà, on peut les renvoyer sur les petits points, bien sûr. Et sinon, on les envoie. Alors, ça, c'est pour le gène du carnivore, mais je le veux pas pour l'instant. Voilà, on va le renvoyer ici, on s'en fout. Donc, bah non, bah, je suis con, oui, bah non. Bah, au final, on va refaire un tricé, je pense, les gars, hein, parce que je voulais faire lui, Endomotosaur, là. Edmontosaurus, mais c'est même pas un truc. Ok, bon, on va refaire un. Qu'est-ce qui coûte le moins cher là-dedans? 30 000. Ah bah 30 000, bah voilà pourquoi je me fais pas chier. Donc voilà. Alors, quelques petites faiblesses. On va pas se mentir, déjà il y a 5 îles. Donc ça veut dire que sur 5 îles, je pense il aurait valu. Ah, moi je dis, il aurait mieux valu une île grande. Oh merde, ah voilà. Putain, c'est ce que je voulais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Donc, ça ne marche pas tout le temps l'incubation en fait. Donc, évidemment, plus on a de chance, plus on a de chance. Voilà. Donc là, évidemment, ça a échoué à 40%. Bon, jeté, ça fait un peu bâtard, mais voilà. Alors, là, voilà, on peut modifier le génome. Donc, très intéressant. Putain, je suis content de pouvoir vous montrer tout ça dans une seule vidéo, parce que bah, c'est quand même super, je trouve. Ils ont quand même fait des trucs vachement sympas. Donc là, par exemple, on va pouvoir changer... on va pouvoir changer... Ah, purée de sa mère. Comment je fais? Appliquer le gène. Il y a marqué gène nul. À type aride. Donc là, par exemple, voilà. Bon, viabilité, par contre, voilà. Vous voyez, on perd 5% de viabilité. Donc, c'est un peu chiant. Génome, machin. Viabilité, 69, machin. Et il coûte plus cher. Il coûte 7 000 de plus. Mais du coup, ça devient une couleur rare. Donc, on va l'appliquer. Voilà. Ici, on a quoi? Force musculaire. La force musculaire. Bon, là, par contre, du coup, il gagne un peu plus. Mais par contre, force musculaire, voilà, il peut gagner un peu plus. La résistance. La résistance. Oh putain, on a fait des bénéfices, vous voyez, ça commence à être cool. La résistance, bah, la résistance, on peut lui mettre, hein. De toute façon, c'est quand même cool. Et ben, on va lui mettre aussi le sol. Et on va voir si on arrive à créer un dino un peu plus sympa. Hop, on va l'incuber. On verra bien, hein. Après, je vous garantis pas, mais je suis content de pouvoir vous montrer ça.
Donc sur le côté, qu'est-ce que j'ai pas montré? Bon, la carte. La carte, voilà, la carte, ça reste très très basique, hein. Là, on a un poste électrique, là on a les petits réseaux, etc. Donc ça, c'est très important, il faut vraiment le faire à chaque fois. Donc c'est un peu casse-couille, on va pas se mentir. Centre des fossiles, enfin voilà, quoi, c'est. Centre de recherche, centrale électrique. Ah bah voilà, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dépensé des thunes, putain quel con. Poste électrique, enfin voilà. La carte, bon, c'est tout à fait bateau, on va pas se mentir. La vue de la gestion, donc pareil, électricité, météo. Alors, plongée dans le passé, ok. Météo, enfin voilà, ici on a plein de trucs. Affichez les visiteurs. Les visiteurs ont besoin d'abri d'urgence pour se protéger. Ben ouais, hein, parce que ça peut arriver. J'espère en tout cas que ça arrivera en vidéo. Si vous voulez que vraiment je continue, ça peut être super intéressant qu'on se fasse un petit let's play sur ce jeu, je pense. Ceratosaurus. Donc voilà, là il récompense de 1 million pour 50% du génome Ceratosaurus. Donc évidemment, on est obligé de l'accepter, tout simplement parce que si on ne l'accepte pas, on ne pourra pas continuer. Donc on est obligé. Alors les enclos, bah, comme je vous ai dit, on a le laboratoire pour les créer, l'enclos et la porte pour permettre aux équipes de secours d'y aller. Donc voilà, je pense avoir bien expliqué. Poste de garde. Donc voilà aussi central, centre de LUC. Un plus un écouteur, un message, c'est des s'asseoir, transporter ou vendre des énormes. Alors ça c'est très important parce qu'il va nous falloir. Il va me le faire, je pense, vraiment très, très rapidement. Parce que oui, en effet, donc quand il y a un mort, il faut l'évacuer. Parce que sinon ça fait une maladie. Donc ça il faut, voilà. Pour les visiteurs, très important aussi, parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, plus il y a de visiteurs, bah, plus. Bon, l'abri d'urgence, voilà, c'est au cas où. Mais plus il y a de visiteurs, plus il y a de pognon, quoi. On va pas se mentir. Hein. Donc voilà, boutique de souvenirs aussi, voilà, très important. On voit ce que ça vend. Bon, ça vend pas de boissons, ça vend pas de bouffe, bien sûr. Et ici, en contrepartie, voilà, ça vend ça. Donc ça, c'est très important. Je pense d'ailleurs, on pourrait même les mettre. En plus, ça prend pas de place, donc c'est super cool. Ils ont pas fait les chiens en mode ah tiens, on va prendre un truc qui fait 400 hectares. C'est un peu chiant, hop. Alors, c'est quoi? Vous faites boutique de souvenirs, donc et nous on va faire fast food aussi, très important le fast food, on va pas se mentir quand même. Est-ce que je peux foutre ça là? Ça serait le feu pour économiser un peu de place. Mec, dis-moi pas que ça rentre pas là. Tous les jours ça rentre, frère. Ah, ça va pas rentrer, hein, j'hallucine. Du coup, est-ce que je pourrais pas mettre ça comme ça plutôt? Contrainte de terrain. C'est relou ça, hein. Sur casse-couille, hein. Bah, ah, des fois ça va pas être très esthétique, hein, je vous assure. Je vous rassure, les gars. Parce que bon. Ce qu'il faut pas oublier, genre leur ancien jeu, ce qui est très important de noter quand même, hein, c'est que dans l'ancien jeu, donc c'est un jeu de parc. Donc qui dit jeu de parc dit tout simplement bah, qu'on peut se permettre des trucs. On peut se permettre des trucs. Là, vu que c'est un jeu de dinosaures, il y aura quand même des enclos à prendre en compte. Donc bah, voilà, c'est quand même important, on va pas se mentir. Hein, il faut quand même foutre des enclos, on va dire, assez solides, etc. Et bah, écoutez, voilà, directement à l'entrée, le fast-food. De toute façon, c'est la base. Hein, on va pas se mentir, 100% des gens qui regardent mes vidéos aiment manger, donc c'est obligé. Hop. Alors, on met ça comme as. Nickel. Est-ce qu'il est ouvert? Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, par contre, ça ressemble, au niveau interface, ça ressemble vraiment énormément au truc. Bon, pour l'instant, les prix, on les change pas trop. Pourquoi on les change pas? Voilà, visiteurs, voilà. Pourquoi on les change pas? Tout simplement parce que le parc n'a pas beaucoup de visiteurs. Donc si je les change maintenant, eh ben, le souci va être que. Ça va être un peu la merde. Alors par contre, lieu d'arrivée. Ça normalement je peux le changer par contre. Non, fermer le parc, non, on va éviter parce que sinon. Putain, je voulais les mettre payants. Je sais que sur Planet Coaster, on peut les mettre payants l'entrée. Ou on peut laisser gratuit, je vois pas l'intérêt. Ou on peut mettre payant. Et là, je vois un peu plus l'intérêt, mais voilà. Donc le fast-food, là c'est pareil, on a quelques petits trucs en vente. Dino Cantine, 2$ mon gars, putain. C'est pas cher, hein, c'est pas cher. Hein. Là c'est pour rajouter du personnel, donc c'est cool. Hop.
Alors les gens étaient dedans, on est d'accord, hein? Oh putain, n'importe quoi. Est-ce que notre truc a fonctionné? Ah nickel. Vous voyez, donc là on a obtenu un dinosaure plus puissant. Et vous voyez, avec une couleur trop sympa, je trouve. C'est beau, hein? Encore des dinosaures qui laissent se poser en ligne directe avec les oiseaux. Ouais, on s'en fout. Rien à Jurassic World. Mais naturel, je sais pas. Confort, machin. Donc voilà, lui, voilà, il sera plus résistant à tout que l'autre. Alors, c'est le Endomotosaur. Oui, d'accord, si tu veux. De toute façon, mec, je suis obligé, donc on va pas se mentir. Alors, évidemment, contrat, et ça, c'est bon, bien sûr, c'est les contrats principaux, mais après, comme je vous ai dit, il y a des contrats aussi secondaires. Donc, putain, les gars, ça fait 30 minutes déjà. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, franchement, vous êtes des boss, hein. J'espère. Parce que sinon, ça me ferait un peu peine. Bon, voilà. Sûr, évidemment, on va les analyser, hein. Tac, tac, tac. C'est. Je veux dire, c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit, mais. Alors, carte des expéditions. On va réexpédier, hein, parce que bon. Strontiomarius. Ceratosaurus. On va envoyer ici, parce qu'il y a plusieurs choix de fossiles, donc ça peut être cool. Fossiles vendus. Ok. Donc voilà, bon. Ben, en tout cas, j'espère que la première vidéo vous aura plu. Hein. Donc bon, là, qu'est-ce que je vais prendre? En fait, le truc divertissement, je suis pas hyper pour, parce que bon. Donc j'aime bien le truc de science. Utilise le centre d'expédition. Ouais, bon, ça voilà, ça se fait tout seul, quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'allais dire, quand même. Ah, ben, le Demosaur. Est-ce qu'on finirait pas, quand même, un petit Endomotosaurus? Hein? Ben voilà, en plus, incubez les dinosaures suivants dans le labo, construisez le centre de l'UC, élément de recherche, vitesse de changement de l'UC. Ben, bref. Donc voilà, alors j'espère quand même que ça vous aura plu. On aura fait quelques dinosaures, quelques modifications génétiques, notamment la couleur. Je suis content que ça ait marché. C'est quoi ça? Construisez, relier. Ouais, les bâtiments, l'hôtel, ok. Donc j'espère que ça vous aura plu, qu'on pourra se faire un let's play, pourquoi pas. Bah, pas forcément un let's play parce que je peux pas tout faire, je pense. Mais bon. Donc les petites faiblesses, c'est que pour le moment, du moins, il n'y a pas de dinosaures volants. Donc ça, je trouve ça un peu con. Bah, après, il faudrait faire des volières et tout, mais ça serait super cool. Et il n'y a pas de dinosaures aquatiques. Donc le mosasaur, le plésio, etc. Pour l'instant, on s'assoit dessus. Donc voilà. On va voir si j'ai le temps d'attendre. Si j'ai le temps, parce que j'ai du monde qui arrive. Donc voilà. Bon bah voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ah, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue tous ensemble à cette aventure-là. Allez. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.